Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc désolée pour ma petite absence de cette semaine. Mais bon, j'ai voulu faire une pause dans le grattage. J'ai juste pris 2-3 tickets par-ci par-là. Et aujourd'hui, eh bien, on va se voir les gains. Donc déjà, hier soir, on a à prendre mon paquet de cigarettes. J'ai pris un méga mot croisé, ticket numéro 6. Et comme on peut le voir, on a Quai et Zébu. Donc on va se faire ce petit ticket et on verra les gains qu'il y a dessus. Ensuite, j'avais pris 20 euros de tickets la dernière fois. Et sur 20 euros, donc il y en avait deux qui étaient perdants. Et sur le maximo croisé, ici, on avait récupéré 5 et 5 là qui nous font 10. Et j'avais eu un petit ticket d'or. Alors, je ne sais plus. Ah, ici. Le 11, là, à 5 euros. Donc, sur 20 euros, j'avais récupéré 15. Donc, je vous avais gardé les petits tickets gagnants. Pour vous le faire montrer, puisque j'ai pas pu faire de vidéo, j'ai été malade, j'ai eu des petits soucis. Donc voilà. Donc du coup, sur 20 euros, on avait récupéré 15 euros. Et après, on m'avait pris une petite pochette à 20 euros. Et donc, il y avait le Vegas ici à 6 euros. Et à mon grand étonnement, ce pactole, donc comme on peut le voir, excusez-moi, ici, le 12 à 20 euros. Donc avec la pochette, on avait gagné 6 euros de plus. Et sur les 20 euros que j'avais joués, du coup, on avait perdu 5. Donc voilà pour les petits gains que j'ai eus cette semaine que je vous partage. Et on va se retrouver tout de suite pour faire le méga mot croisé. Donc c'est parti, on va se faire le méga mot croisé. Donc déjà, on sait qu'on a récupéré minimum 20 euros avec le mot zébu et le mot quai. On va regarder si on aura un petit quelque chose de plus sur le jeu numéro 1. Alors, on n'aura pas de E. Pas de E. Ça marche, pas de E. On, O, N, T. On aura un petit mot ici qui sera on. Je ne sais pas si on aura la chance d'en avoir un autre. Roi. Ben, on n'a pas de I. Pas de E. Pas de E. Pas de E. Pas de E, ok. On enlève tout ce qui a du E. Donc, qui est, on ne l'aura pas. Impair, on n'a pas de I. Kiwi, on n'a pas de I. Gala. Je ne vois pas le G. Que je ne vois. Ah si, non. Eh ben, on aura 10 euros aussi sur le jeu numéro 1. Donc, avec on et non ici. Donc, je pense que ce sera un petit ticket à 50 euros. Ce sera cool. Donc, déjà, deux mots, 10 euros plus les deux mots ici. Et ici, on va voir ce qu'on aura sous le jeu numéro 3. Alors, bec, on n'aura pas de E. Alors, pas de E, pas de E, pas de E. Crin, C-R-I-N. Eh ben oui, on a 20 euros ici aussi, donc forcément, on se doute. Alors après, je ne sais pas, ça peut peut-être être 100 euros si on a 50 et 20. Donc ici, on a 20 euros sur le jeu numéro 3, on a 10 euros sur le jeu numéro 1 et sur le jeu numéro 2, c'est parti. Alors sous le mot quai, on aura 10 et 10 qui nous fait un ticket à 50 euros. Donc c'est plutôt cool. Donc petit récapitulatif de ma semaine d'absence. Donc le méga mot croisé que j'ai eu hier à 50 euros. Sur la pochette, comme je vous l'ai dit juste avant, à 20 euros, on avait eu ce super pactole ici avec le ticket numéro 12 à 20 euros. Donc c'est la première fois que je double ma mise x10 sur un pactole. Ici, on avait dit sur le Vegas, on récupérait 6 euros ici. Donc ça nous faisait 26 euros sur 20 euros de mise. Et ici, sur 20 euros de mise aussi, bah, on récupérait ici 5 et 5. Donc, on va dire 10 parce que de toute façon, on peut pas le faire. Donc, 10 euros ici et ici, on avait récupéré 5 euros.
Donc, première, on a une perte de 5 euros. Deuxième, on avait gagné 6 euros, donc qui nous rembourse, on a 1 euro de bénéfice. Et plus ici 50, donc autant dire, on a 41 euros de bénéfice sur mes petits jeux de la semaine. Donc voilà, et je me remets à faire des vidéos dès cette semaine, même la semaine prochaine, hein, puisque là, on est vendredi, donc j'essaierai d'en faire une ce week-end, et après on se retrouve la semaine prochaine pour faire des petites sessions. Et désolé encore pour mon absence, je suis navrée. Et maintenant, on repart pour de nouvelles sessions. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve plus tard.